Bienvenue à vous dans cette troisième vidéo consacrée à l'application photo de Windows 10. Dans les précédentes vidéos, nous avons fait un tour d'horizon de cette application et nous avons vu comment intégrer des images au scénario image. Nous allons maintenant nous pencher sur la gestion de la durée d'affichage de chacune de vos images. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur l'image sur laquelle vous voulez régler la durée. Cette opération sera appliquée sur chacune des images. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur la première image. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton durée qui se trouve à cet endroit-là. Vous cliquez et vous avez un menu déroulant qui apparaît. Vous pouvez soit par défaut choisir 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes ou 7 secondes. Et bien évidemment, si vous voulez une durée plus importante, vous pouvez l'indiquer à la main. Moi, je vais choisir d'afficher 6 secondes mon image et je valide en appuyant sur la touche Entrée de mon clavier. La durée apparaîtra en bas à gauche de chacune de vos vignettes. Je peux donc cliquer sur ma seconde image, recliquer sur le bouton Durée et lui indiquer, par exemple pour celle-ci, une durée de 5 secondes. Vous n'êtes absolument pas obligé d'indiquer exactement la même durée sur la totalité de vos photos. Bien évidemment, si vous voulez donner du rythme, vous pouvez varier ces durées. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous concentrer sur l'ajout d'une carte de titre qui va vous permettre notamment de faire le générique de début de votre vidéo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.